Salut tout le monde! Ouais, je sais. Mon décor est pas mal moins cute qu'en République dominicaine, hein? Les vacances sont finies, on revient à la vraie vie. Fait qu'aujourd'hui, je vous filme en direct de chez moi, comme à l'habitude. Je vous fais un unboxing ou en français un ouvrage de boîte. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est la Fab Fit Fun. It's cute la boîte. Regardez, il y a du pumpkin spice. Pumpkin spice, pumpkin spice. J'en fais dans ma bédaine. Je veux un pumpkin spice, s'il vous plaît. Oui, je suis très très basic, hein. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime pas par exemple, je pense qu'il y a de la tarte à citrouille que j'ai vu à quelque part là. C'est pas bon ça! Mais un latte à la citrouille, ça c'est délicieux là, ma belle. Qu'est-ce que c'est FabFitFun? C'est une boîte que tu dois t'inscrire. C'est une fois par saison. Et tu reçois des produits. C'est lifestyle, maquillage, fashion. Et c'est des produits réguliers. C'est ça qui m'a vraiment intéressé de cette boîte. C'est que c'est pas une boîte d'échantillons. Je me suis déjà inscrit à ce genre de boîte-là. Pour moi, ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que, écoute, recevoir les petits échantillons de parfum ou de crème, j'haïs ça. Moi, offre-moi des gros formats, s'il vous plaît. Je veux pouvoir les utiliser souvent. Comment FabFitFun m'a eu? C'est vraiment avec ses annonces sur Facebook. La boîte précédente, qui était la boîte d'été, écoute, ça avait tellement l'air génial, les produits qu'il y a dedans, que je me suis dit, c'est clair, il faut que je l'achète. Et juré, j'ai pas été déçu. Je vais juste vous montrer deux des produits que j'avais reçus dans mon ancienne boîte. Et juste le coût de ces deux produits-là dépasse le prix que moi j'ai payé. Je ne vous ai pas dit c'est combien, mais recevoir une boîte comme celle-ci, c'est 60 $ US. Mais quand tu le fais en canadien avec le shipping, tout ça me coûte 82 et 24. Si je ne me trompe pas, là, je suis pas mal sûr que c'est 82 et 24. Et j'ai pas eu de frais de dédouanement. Alors, je suis content. Ça m'a coûté 82,24 et je vous le dis, ce qu'il y a généralement dans la boîte vaut beaucoup plus. Généralement, c'est une moyenne de 300 $ ce que tu reçois dans la boîte. Ce qui m'avait vraiment accroché, moi, pour l'autre boîte d'avant, c'est que il annonçait le Luna Fofo. Le Foreo Luna Fofo. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un nettoyant, on le sait, Foreo, c'est quoi? C'est comme une brosse, c'est en silicone, ça nettoie bien la peau. Et sur le site internet de Foreo Luna, il se détaille à 112 Canadiens avant taxes. Fait que si tu fais le calcul, j'ai payé 82 $ pour une boîte au complet avec plein de produits et ça vaut 112 et... Écoute, 112, 112, ça a payé. J'ai dépassé, maudit, j'ai même fait de l'argent en achetant cette boîte-là. C'est pas de bon sens. Puis l'autre produit que j'ai reçu, que je voulais absolument, c'est la Tartess Pro Glow de chez Tarte. C'est une palette d'illuminateurs et de bronzer crème contour, etc. De mémoire, 59 $ chez Sephora. Si je me trompe, je vais vous l'écrire là en barre d'infos, mais je crois que c'était 59 $. Alors, juste pour ces deux produits-là. Puis écoute, ma boîte était pleine. J'ai eu d'autres choses. J'ai eu un spray pour les cheveux, protection thermale. J'ai eu un exfoliant aux enzymes. Mon Dieu, j'ai eu beaucoup de produits là. J'ai eu une crème pour les jambes lourdes. J'ai eu aussi une décoration en marbre. En tout cas, ma boîte était super belle. Puis si tu veux, tu peux regarder sur Internet, marque FabFitFun. Summer Box, puis tu vas voir ce qu'il y avait dans l'autre boîte. Mais ensemble, aujourd'hui, on va faire la boîte d'automne. Je t'en remonte parce qu'elle est tellement belle pour vrai. Regarde, c'est cute! Et aussi, c'est en collaboration avec Christina Applegate, puis c'est pour. Elle a une association pour les femmes, les droits des femmes. Alors, moi, je te dis ça, là, ça se peut que je me trompe vraiment, mais c'est ce que j'ai lu sur Internet. Alors, en plus d'acheter cette belle boîte-là, ben, tu fais comme une bonne action en même temps. Fait qu'on va l'ouvrir, puis on va regarder ensemble. Il y a juste une chose que je me demande, c'est quoi? C'est quoi ce signe-là de batterie? Avec genre du feu?
C'est quoi? C'est quand je vais l'ouvrir, ça va me péter dans la face? Je me demande. Je me demande. Puis ça dit d'appeler pour more information. Mais je sais pas trop quoi leur demander. Genre, hi, c'est quoi le battery shortboard? En tout cas. Fait que. Je sors mon couteau. Et on ouvre ça ensemble. Je l'ai même pas ouvert. Écoute, je capotais. Ça fait genre 2 jours que je l'ai reçu. Puis je suis comme. Je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Mais je voulais le faire avec vous autres. Fait que. Let's go! Ok. Ils te mettent toujours un magazine dedans qui t'explique c'est quoi la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Fait que moi, je veux pas savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Aussi, on a reçu ça, qui est une petite pancarte. Share the love of Fat Fit Fun. Pose this card and you get a friend 10 $ off of the box. Si j'ai une amie qui veut, fais-moi signe, je te la donne. Et ça, Life Rich, bla bla bla. J'ai un 3 $ de coupon pour m'acheter une de ces boîtes-là. Alors j'imagine que ça va être un produit qu'on va avoir dans la boîte. Oh, it's so cute! Ah, oh, j'ai vu un produit dedans. Je le voilà, puis je vais vous le montrer. J'ai un nouveau Beauty Blender. Oh. J'ai un nouveau Beauty Blender. Yes, sir. Le mien, il est tout crotté. J'en ai besoin d'un nouveau. On a toujours de besoin de ça. Et de mémoire, là, c'est comme 25-26 $. Fait que déjà, mon 80, je suis proche. Je suis proche. Content, ça commence bien. Mais je veux juste vous montrer leur. Regarde, pour tenir le papier de soie, c'est tellement cute. Est-ce que je vais être capable? Oui, c'est une feuille! C'est une feuille! Oh, c'est cute. J'aime assez ça, cette boîte-là. Là. Moi, j'en ferai une par mois. Oubliez ça, les saisons, ça fait plus de fun. Faites-en une fois par mois. Je commence par où? Bon, bien évidemment, comme j'avais dit, on a reçu une des barres. Et c'est Luna Rica, c'est au caramel salé. Je ne connais pas cette marque-là. Cashew, alors c'est une barre de cashew, fruits et noix. Ça va sûrement être délicieux. Je vais pouvoir le garder dans mon sac quand je vais avoir faim maintenant. Ben, je l'ai. Oh! J'ai deux masques Glam Glow. C'est ceux qui font de la mousse. Je la vois sur Internet souvent, là, les YouTubeurs en parlent. Fait que tu le mets, ça va faire de la mousse, c'est nettoyant en même temps, t'enlèves le masque, après tu fais pénétrer la mousse et tu rinces. Fait que c'est un masque nettoyant et masque nettoyant oxygénant. Écoute, je suis énervé. Ok. Éclat, oxygène, détoxifie, purifie, démaquille, toi. Démaquille. Tu te fais un masque puis tu te démaquilles en même temps. J'ai hâte de voir comment ça va. Et j'ai pas vu le prix, mais Glam Glow, tu sais, je suis porté à te dire que ça doit être 10 $ chaque masque. Fait que déjà là, les deux masques plus mon Beauty Blender, j'ai déjà rendu genre à 40. J'ai bientôt payé ma boîte. Okidoki. Ouais, moi j'aime ça. Ben détoxifiant, fait que c'est du sel au yogourt. C'est la marque Cuccio. Cuccio, Cuccio, Cuccio. En tout cas, c'est cette marque-là. Et c'est un bain détoxifiant, relaxant. Oui, c'est fait avec ces ingrédients-là qui sont marqués. Greek Mashtia. C'est assez bon, ça. C'est un de mes ingrédients préférés. J'en mettrais partout. T'sais. Ah oui, du grec mastifiant. Il y a du sel méditerranéen, puis de la baie de goji. Fait que ça doit être antioxydant, relaxant, bla bla bla. Fait que je vous dirai comment j'ai trouvé ça. Et je vais reprendre le petit cahier parce que là, je veux savoir combien ça vaut ces affaires-là. Ok, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Ok, le Beauty Blender.
Là, c'est en US, par exemple. Mais c'était 20 $. Glamglow, c'était 18 $. Le bain de sel. Who are you, le bain de sel? Ah, le bain de sel, c'est 39,95 pour ça. Je n'ai assez pour faire 2-3 bains. C'est 39 $. Ben, c'est pas spécial. Si tu dis que tu t'achètes une bombe pour le bain de chez Lush, puis généralement, tu sais, c'est quoi, c'est 7-8 $. Fait que t'es proche, là. Écoute, 40$ US, plus mon Beauty Blender, j'ai payé ma boîte. Yahoo! Je commence à faire de l'argent, là. Watch me, m'en devenir riche avec cette boîte-là. Ok, je vais pas trop regarder parce que j'ai vu d'autres choses, puis non. Hein, on va se garder le secret. Oh, yes! J'ai des écouteurs wireless. Fait que c'est parfait parce que moi je m'entraîne puis j'ai juste ceux de ben, j'ai juste ceux. Oh, j'ai juste les Beats là, j'ai juste ça. Non, j'ai des Beats que je me suis acheté wireless que j'aime beaucoup beaucoup, sauf que c'est sûr que tu mets comme ça là sur tes oreilles, fait que quand je m'entraîne et j'ai chaud, c'est ultra chaud dedans. Fait que j'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que j'achète les petits écouteurs d'Apple là, ceux que tu mets dans tes oreilles puis qu'il y a pas de corde. Lui, je vois qu'il y a une corde, mais je sais que tu les mets et que ça passe comme ça, c'est wireless. Fait que écoute, puis ils sont cute, sont roses. Ils sont roses. Qui aime pas ça, le rose? On aime tout ça. C'est la marque Silo. 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 Silo, pas savoir qu'est-ce que c'est cette marque-là. Mais bon. Combien ça vaut ça? T'es où, Silo? Silo. 40 $. 40 $ US. Fait que tu vois, j'ai fait 40 $ à date. Amazing. Amazing. Bon. Grow Alchemist. Bon, qu'est-ce que c'est que c'est ce que ça? Exfoliant lissant pour le visage, pamplemousse rose, extrait de glucomanane. Glucomanane. Oui, ça mange quoi ça en hiver, du glucomanane? Oh, c'est bien cute. Je trouve que c'est genre full copie des packagings de Bobby Brown. En tout cas, je suis toujours énervé d'essayer des nouveaux produits. Moi, j'en mange des produits, j'en veux tout le temps, j'en ai pas assez. Donnez-moi en plus, donnez-moi en plus. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'ils disent sur cet exfoliant-là dans le petit magazine. Alors, ok. C'est un exfoliant doux pour la peau sèche et il est 67 $ US. Ça doit être l'extrait de glucomanane. C'est pas donné, c'est tellement dur à dire que d'après moi, ça doit être dur à exporter aussi. En tout cas, c'est un exfoliant doux pour le visage et moi je suis content parce que celui qui m'avait donné dans mon boîte est presque terminé et j'adore ça, moi, m'exfolier. Bon. Il reste presque plus rien dans ma boîte. Mais déjà, je suis ultra content. Comme je vois des choses là dans la boîte que je vais vous montrer que peut-être ça me rejoint moins. Mais par contre, juste avec ce que j'ai eu, le Beauty Blender, les masques, l'exfoliant, les écouteurs, je suis déjà heureux. Fait que ce que j'ai dans la boîte que peut-être je me servirai pas, je peux toujours le donner à des gens, faire des cadeaux avec ça. Fait qu'oubliez jamais que si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime ça, là, les boîtes comme ça, ben que vous aimez moins, là, c'est pas grave, vous pouvez le donner à quelqu'un. On s'entend que juste ce que j'ai eu, moi, mon argent, je trouve que je suis correct avec, je l'ai refait, là. Par refaire, on s'entend que non, là, j'ai dépensé 82 $, mais je veux dire, quand même, c'est des choses que je suis super content parce que il y a une chose que je veux juste vous dire, c'est que moi, ça me dérange jamais de payer cher pour mes produits, mais souvent, j'y vais avec ce que je connais puis ce que je veux vraiment. Fait que des fois, je me dis, si j'avais pas eu cette boîte-là, j'aurais pas découvert, exemple, mon Foreo. Je l'aurais pas pris. Puis honnêtement, je l'adore. Il rend ma peau super douce. En plus, lui, le Foreo Luna Fofo, il y a à l'arrière. Vous voyez les deux petites pins ici, là?
Ça, c'est. Il y a une application sur ton cellulaire, ça te dit le degré d'hydratation de ta peau, c'est génial. Écoute, je ne l'aurais pas acheté à 119, 212, whatever, ce que je vous ai dit plus tôt. Je ne l'aurais pas acheté parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais là que je l'ai au prix que j'ai payé, je suis ultra content. Fait que pour vrai, cette boîte-là, je l'adore. C'est une fois aux 3 mois, comme je vous ai dit. Ça pète pas mon budget, là. Une fois aux 3 mois, c'est 80 divisé par 3. C'est pas super cher. Au pire, je vais couper dans un café par semaine à mon café où que je vais, puis je vais être capable de me l'acheter. Bon. Ça, c'est un linge à vaisselle de la marque Vinsicle? Vinsicle? Simply Vinsicle. Vinsicle. I wanna do Vinsicle. Je pense que c'est Vinsicle. Je vais aller lire dans le magazine. Simply Vimsical. C'est un linge à vaisselle et il est 14,99. N'oubliez pas tous les prix que je vous dis là, c'est en US. Mais il est très très beau pour vrai. Gris et blanc, ça va super bien chez moi. Tout est gris chez moi, alors on adore ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! C'est de la marque Skin & Co. Et c'est un gel douche Blue in the Capri. C'est aux notes de rose, de sauge, de basilic et Autumn Blossom. Non, là on va l'ouvrir. Moi je veux sentir. Oh, ça sent full bon. Ça sent un peu les produits Aveda. Si vous avez déjà senti les produits Aveda, tu sais, le ultra naturel, etc. Ça sent vraiment très bon. Un gel douche, c'est jamais perdu un gel douche. Et il est 22 $ US. Bon, ben écoute, je suis content, je vais pouvoir l'essayer. Peut-être que j'aurais jamais essayé ça, ce gel douche-là. C'est un 230 ml, mais il sent super bon. Alors, je suis énervé, je suis énervé. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? French Press Coffee Maker de la marque Alfred. Oh. 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 Oh, c'est full cute. C'est un. Hey, je sais jamais comment dire ça pour vrai. Moi, j'appelle ça un bottom, mais c'est pas ça. C'est un bottom, bottom, bottom. En tout cas, c'est un bottom, il y en a juste un ici, puis c'est moi le bottom. Mais non, je sais pas comment t'appelles ça déjà, mais en tout cas, c'est pour faire du café, vous connaissez le principe. Vous mettez votre eau chaude, vous faites infuser votre café, vous baissez tranquillement pour pas qu'il y ait de grains de café dans votre café. Ça fait des super bons cafés, puis en plus, il est vraiment très cute, hein. Regardez, il y a comme le petit orignal. Oh, il est cute! Oh! Oh, j'aime ça le café en plus. C'est marqué But Coffee First. Puis on s'entend que c'est tellement la réalité, là. Je veux dire, je me lève dans la vie, puis ce que je veux le plus au monde, c'est un café. Alors, merci FabFitFun. 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 Combien t'étais, mon bottom? 22 $. Quand même. Ok. Vince Camuto. Je ne sais pas ce que ça, mais ça ressemble à un sac. Et oui, effectivement, c'est un sac. Oh, il est quand même beau pour vrai, je peux quasiment le prendre. Il est pas trop féminin. Il est trop féminin. Il est trop féminin. Ben là, évidemment, de même, oui, là. Mais si je le tiens comme ça. Ouf. Ah oui, je suis en jogging. Ben oui, ok. Ouais, non. Je pense qu'il y a une chanceuse qui va l'avoir. Parce que il est un petit peu trop féminin. Mais il est vraiment très beau, pour vrai. Les couleurs sont belles. Puis il a l'air de qualité. On va aller voir combien c'est.
petite merveille-là de Vince Caputo, Vince quelque chose. Ok, le sac est... Wouh! 128$. Ok, Vince Camuto, Lock 2, blablabla. Ah, c'est du cuir vegan. Alors, ceux qui aiment le cuir vegan, alors, cherchez Vince Camuto, c'est ça, hein? 128$. Ok, là, ça me fait un petit peu chier. Ça me fait un petit peu suer, là. Parce que dans le magazine, ça dit toujours ce que t'as ou ce que t'aurais pu avoir. Et à côté du sac, c'est des pinceaux à maquillage. J'aurais mieux aimé avoir les pinceaux à maquillage. Mais c'est pas grave, dans la vie, faut que tu sois content de ce que t'as eu. Alors, on va faire un petit récapitulatif de mes produits que j'ai eu. Nous avons eu le sac. Vince Camuto. On va faire de dos dans la boîte. On a eu le gel douche de Blue Capri de Skin & Co. qui sent vraiment très bon. On a eu les écouteurs de CeeLo. On a eu l'exfoliant de Grow Alchemist. On a eu le sel Guccio, alors lequel, yogash, le sel détoxifiant, on aime ça. On a eu les deux masques de Glam Glow, je suis super énervé, j'ai hâte de l'essayer. On a eu la barre la barre Lunarica fruits et blablabla. On a eu le Beauty Blender, hello. Puis on a eu aussi le bottom. Alors, pour vrai, je suis super content de ma boîte. Moi, j'ai déjà hâte à la prochaine boîte. J'ai un lien qui te fait sauver 10$ sur ta première boîte que tu achètes avec FatFibFun. Fait que si ça te tente d'économiser au lieu de 82, ben ça va te coûter 72. Ce qui est super intéressant, pareil, pour ta prochaine boîte, par contre. Fait que sur ce, je vous laisse aller voir FatFibFun. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est ma deuxième boîte que je reçois. J'étais aussi énervé que la première. Puis, ben, c'est ça. Fait que vivement la prochaine boîte qui arrive dans 3 mois. Puis sur ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et à aller voir mes autres vidéos. Puis mes prochains qui s'en viennent. Fait que... Bye. Maudite grippe à la merde. Il aurait fallu que j'apporte des petits mouchoirs. J'ai-tu un bougoudi? J'ai pas de bougoudi dans mon nez. Ok, on continue.